Bonjour à tous et bienvenue sur la page Akedo Family. Aujourd'hui, on se retrouve pour le déballage de la boîte de transport collector des Akedo série 2. Comme vous voyez, on a affaire à une jolie boîte plutôt bien colorée. Allez, on va passer à l'ouverture. Comme vous pouvez le voir, l'ouverture se fait par le côté. On se retrouve à l'intérieur avec la figurine exclusive d'Encode. Je vous expliquerai un peu plus tard quelle est sa particularité. Et nous avons plusieurs étages sur lesquels on peut ranger 3 personnages, soit un total de 18. On peut ranger les guerriers de toute taille, y compris les géants avec leur armure. On va maintenant passer à la partie avant de la boîte de transport. Donc, comme vous pouvez le voir, tout se clipse parfaitement. Et on peut les transporter pour aller faire des combats où on veut. Devant, on se retrouve avec un tiroir pratique pour ranger nos petits socles des combattants. Et ainsi amener nos couleurs préférées. On va maintenant parler des particularités d'Encode, la figurine exclusive inclue à l'intérieur. Donc Encode, c'est un personnage légendaire. Et lui a la particularité de briller dans le noir. Je trouve que le design est assez bien fait, et voici ce que ça donne une fois qu'il est dans le noir. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour des nouveaux déballages.